un kit de soins elle-même. Donc on en a eu deux, mais c'est les deux mêmes, donc je vais en ouvrir qu'un seul. Donc on peut faire deux slimes dans un kit. Donc j'ai deux cols, deux liquides magiques, donc c'est le borax, et quatre gels pailletés. Coucou à tous. Et c'est super simple. Alors en effet, on a reçu ces kits de slime Elmer's, donc c'est une marque de colle si vous ne connaissez pas. Et ces kits ont l'air super chouettes. Alors à l'intérieur, on peut faire deux slimes car il y a deux colles, deux produits magiques, donc c'est ce qui remplace le borax, des gels pailletés comme disait Kélia. Donc voilà, on va tester ça ensemble. À l'arrière de la boîte, tout est expliqué pour faire justement ce slime. Donc ça a l'air super simple. Ça a l'air super simple. Donc nous, on a reçu deux kits, mais ce sont les mêmes. Donc on va en faire juste un seul. Donc je te laisse ouvrir. Donc on a les deux produits magiques. Donc c'est ce qui remplace le borax. Oui, on a les deux colles. Et on a aussi les stylos. Donc les gels pailletés. Oui. Alors, on a prévu deux bols et deux cuillères car oui. Kélia veut faire donc deux slimes. Alors, la colle Elmer's, alors elle est comme ceci, c'est de la colle transparente. Voilà, donc ces kits de slime sont une nouveauté. Donc, mais ça m'a l'air plutôt chouette. Oui, moi aussi. Ensuite, il y a le liquide magique, donc c'est ce qui remplace le borax. C'est ce qui va former le slime. Donc voilà, donc on va tester ça ensemble si ça marche bien. Et ensuite on a les gels pailletés. Voilà, donc il y a quatre couleurs, vert, doré, bleu et rouge. Moi je vais faire doré et bleu. Donc tu vas faire un slime doré et un slime bleu, c'est ça? C'est ça. Ok, bon alors bah écoute, je te laisse mettre la colle. Alors déjà derrière la boîte, on va prendre l'autre boîte. On a le modèle. Voilà, ça nous dit comment faire. Donc c'est ta maman qui me le dit ou je... Bah c'est super simple en fait. Pour commencer, tu verses dans le récipient l'intégralité de la colle. D'accord. Ensuite tu mettras donc... Je vais verser la colle. Vas-y. Ensuite tu mettras les gels pailletés que tu veux dans la colle. Ensuite tu mélanges jusqu'à obtenir une couleur homogène. Et ensuite tu mets le produit magique. Et ensuite tu mélanges. Et voilà, après le slime se forme. Donc voilà, c'est vraiment super simple. Oui, donc c'est bon, j'ai vidé les deux cols dans les deux bols pour pouvoir faire deux slimes. Alors voilà. Et ensuite il faut mettre donc les gels pailletés. Oui. Donc toi tu fais un slime doré et un slime bleu. Alors, je te laisse verser les gels pailletés. Il est trop, trop beau ce gel pailleté. Donc, je vais rajouter le rouge pour faire du violet. Donc, voilà, tu vas rajouter du rouge dans le bleu pour faire du slime violet. Oui. En tout cas, c'est juste trop canon ces paillettes. Ils sont vraiment trop magnifiques. Et là, on a le doré. Bon, alors voilà, on a vidé les tubes de gel pailleté. Alors maintenant, je te laisse mélanger. Je commence par rien. Bah, tu fais comme tu veux. Faut mélanger les deux de toute façon. Waouh, c'est trop beau. Waouh, c'est magnifique. Regardez. C'est trop, trop beau. En plus, il a plein de paillettes. J'adore. Allez, maintenant, je fais l'autre. Allez, vas-y. Le violet. Donc, il va devenir violet. Bon, là, on verra pas avec le bol qui est foncé. Waouh, ça fait trop beau. Ah oui, ça fait beaucoup de paillettes. C'est trop joli comme ça. Regardez. Waouh, trop, trop beau. Moi, je vais pas mélanger encore. Hein. Donc, on peut mélanger les gels pailletés comme on a envie, bien évidemment. Bien. Alors, attends, hop, qu'on puisse mieux voir. Regardez, c'est trop, trop beau. Il est magnifique, il est violet avec des paillettes rouges et bleues. Il est magnifique. Il est trop, trop beau celui-ci. J'adore, trop, moi trop aussi. Beau. Bah non, et donc, on a aussi celui-ci qui est aussi trop, trop beau en doré comme ça. Bon, alors maintenant, on va mettre... petit à petit. Le produit magique. Non, tu verses tout d'un coup, je pense. Attends, je vais regarder derrière la boîte ce que ça dit.
Alors, ajouter un flacon du liquide magique. Donc normalement, on doit mettre tout le flacon pour une colle. Moi, je vais faire petit à petit. Voilà, on va faire petit à petit au cas où. Si ça colle aux mains, bah, j'aurai encore. Voilà. Alors, je te laisse commencer à en mettre. Et on va mélanger petit à petit aussi. Je l'adore. Et moi, je vais mélanger celui-ci. Bon, on va pouvoir rajouter du liquide magique, car il est encore super collant. Et on vous montre après une fois qu'il est fini. Bon voilà, on a bien formé le slime. Alors il faut bien tout mettre, le petit flacon de liquide magique. Il faut vraiment tout mettre dedans. Celui-ci pareil, il est bien réussi je pense. On va pouvoir le prendre avec les mains. Et voilà, il faut bien tout mettre le liquide magique pour que le slime soit réussi. Bon alors, je te laisse le prendre avec les mains. Celui-là. Alors vas-y. Alors il est bien ? Oui. Il colle pas ? Il colle encore un peu, je pense. Alors, faut bien le malaxer, je pense, et après, ça devrait le faire. Il est trop beau, par contre. Ah bah oui, là, avec toutes les paillettes. La couleur, elle est magnifique. Il est trop, trop beau, avec toutes les paillettes. Il est trop, trop chouette. Et après, tu pourras faire le violet. Oui. Je l'adore. Il est trop bien ? Oui. Eh ben il est bien réussi, hein, il colle pas et tout. Il faut vraiment mettre tout le flacon. Voilà, faut tout mettre, comme c'est écrit au dos de la boîte, faut mettre le flacon. Bon, on prend le violet ? Oui, on prend le violet. Alors faut bien le malaxer, il colle encore un petit peu, oui. Mais en le malaxant ça devrait aller, comme pour l'autre. Alors, ça colle pas ? C'est bon ? Alors malaxe-le bien. Il est trop beau avec toutes les paillettes, regarde. Fais voir, alors je vais le prendre en espérant qu'il ne colle pas au doigt. Fais voir. Il est trop beau. Ah ouais, il est trop beau. Alors, je vais vous montrer les paillettes. Voilà, il est vraiment. Il y a beaucoup de paillettes pour celui-là, maman. Beau. Alors le focus, il ne veut pas se faire. Voilà, il est vraiment trop beau. Toutes les paillettes. Ouais. Trop trop chouette. Bon alors moi il me colle un petit peu. Mais voilà, en le malaxant, ça devrait aller. Il est trop trop beau, il s'étire super bien. Mais il est parfait ce slime, hein ? Oui. Je te le redonne ? Bon, maintenant, je vais vous montrer le doré qui est juste trop trop magnifique. Beau aussi. Toutes les paillettes, il est trop chouette. J'aime trop et il s'étire super bien. Bon, il colle encore un petit peu, on va encore le malaxer un petit peu. Mais il est vraiment trop beau. Ouais. Bon, en tout cas, ces kits de slime et Elmer's sont plutôt pas mal. Oui. Non, en tout cas, on aime bien. On aime bien. Tu fais des bulles ? Bon, alors moi, je malaxe le slime doré pendant que Kélia fait je sais pas quoi. Il est trop beau. En plus, il a beaucoup de paillettes. Il bah a oui, des ce sont des. De toutes les couleurs. Ce sont des gels pailletés en même temps, Kéké. Hein, donc, oui. C'est normal qu'il y ait beaucoup de paillettes. Mais ouais, ils sont trop chouettes. En plus, trop, avec trop les deux couleurs, ça se mélange trop bien. Ouais, c'est vrai. Bon, bah en tout cas, ils sont plutôt cool ces kits oui, de slime. Moi, je les adore. On valide. Bon, bah en tout cas, une fois que les slimes sont bien malaxés, ils ne collent plus. Donc, il faut juste bien les malaxer. Et après, c'est bon. Donc, voilà, ils sont vraiment super chouettes. Je vais vous montrer. Voilà, vraiment, ils collent presque plus. Faut juste bien les malaxer et après c'est bon. Ils sont trop beaux en tout cas. Elle est énorme ma bulle. Et qu'est-ce que tu fais toi? Et maintenant je vous fais plein de bisous. Mettez des pouces bleus surtout. Abonnez-vous. Ciao ciao bisous.